Et voici le quatrième épisode de Sonic X Shadow Generations. Like, commente, partage et on y va. Enfin, stop! Juste avant, n'oublie pas d'aller sur la chaîne secondaire Kirben Deluxe, puisque là-bas, j'ai sorti une vidéo où j'ai terminé Sonic Generations avec Mario. Et pas le skin Mario, mais avec Mario qui fait ses mouvements de motion cat. C'était très difficile, donc va la voir. Sunset Heights. Le premier niveau de Forces. Frontiers. Mais... Hein? C'est pas un nouveau pouvoir ça? De toute façon, même si on a un nouveau pouvoir, je vais peut-être faire le niveau. Ah bah, on en a pas d'ailleurs. Non, mais je vais faire le niveau quand même, l'acte 2. Et j'ai eu aucun collectible, aucun. C'est combien de temps que ça a commencé? Déjà 1h30. Je me demande combien il y a de niveaux en tout. D'un côté, j'ai hâte d'avoir terminé parce que j'ai du travail. J'ai hâte de terminer parce que j'ai hâte de travailler tout de même. Mais de l'autre côté, le jeu est tellement bien que genre, ça pouvait durer 5 heures, ça me dérange pas. Hein. Bah, comment j'y vais là? Ah, ok. Hors de mon chemin! Ah, c'est ça! En fait, je me suis toujours pas adapté aux boutons. Hein. Il y a des boutons qui me paraissent un peu nébuleux. Mais si j'avais pas récupéré la Raymanta, je ferais comment pour aller dans ces niveaux? Ça se trouve, tu pourrais juste pas rentrer dedans, hein. Comment ça, elle? What? Tu fais quoi, là? Ah, c'est le robot derrière qui a fait ses pétarades! Ah oui, ah d'accord. Par contre, là, tu tires un peu dans le vide parce que t'as déjà détruit tes trucs, donc... Mais attendez, mais c'est toujours le même niveau, là? De Sonic Forces. Mais genre, pourquoi il pleut? C'est plus le coucher de soleil et tout est détruit. C'est t'y reviens à la fin du jeu? Je sais pas, comme j'ai pas joué au jeu, j'en sais rien du tout, mais... D'accord. D'accord. Mais en fait, c'est dommage qu'il fasse pas comme Generations. Enfin, Sonic Generations. Parce que dedans, quand il y avait du vide, il t'indiquait avec une icône. Là, genre, je suis censé le deviner avec mon cul. Après, je devrais peut-être me dire que quand je vois un trou sans fin... Il y a des chances quand même. Il y a moyen que ce soit du vide. C'est jamais sûr, mais bon. Dans le In the Dapt, c'est peut-être mieux d'éviter quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en sais un, mais ça m'a bien permis d'avancer, donc tranquille. Voilà la puissance ultime. Yes. Ridicule. Ah, parce que là, je devais attendre qu'ils détruisent le terrain pour pouvoir continuer. C'est pas ouf, ces trucs-là. Oula, oula, comment ça, X? Il y a des nouveaux aliens, hein, c'est pas les mêmes que dans Shadow. Hein. Ils ont créé de nouvelles unités. Black Doom, il est devenu plus fort. Ah, c'est bien par là. Ok. Oh là 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 là! J'ai pas besoin de faire Chaos Control, tout va bien. Merde. J'ai vu le truc en bas, hein, mais je vais pas le chercher, je m'en fous. Yes. Et en vrai, je peux pas me voir, mais je crois que je suis grave concentré sur le jeu, non? À ma tête, je crois que... Comme je dis, je peux pas me voir, mais je crois vraiment que je suis à fond, là. Ça arrive pas souvent quand... Quoi? J'ai glissé pour ne pas mourir, donc c'est exactement ce que j'aime. Je peux pas me plaindre d'un truc comme ça. Parce qu'il y avait littéralement du vide. Non, ça on pouvait les avoir, ça fait gagner grave du temps. Par contre, on a à quand le pouvoir de voler à nouveau là? Parce que l'arrêt c'est bien, mais Shadow Vampire c'était mieux là aussi. Ce sera peut-être lui le boss, non?
pense pas en vrai. Bah surtout qu'il y en a plein. Ok, ça peut pas être le boss, genre c'est pas un ennemi, il y en a plein, donc on verra. Ah ouais, c'est à cause du fait que j'ai perdu des rings à la fin. Je pense que c'est ça le problème. Quoi? Non mais c'est dans ta tête aussi, Maria elle est morte. Ils vont pas nous faire un truc à la fin de ramener Maria? Et que genre canoniquement Maria elle sera en vie? Eh vraiment un jour Shadow, ton deuil faut que tu le fasses. Sayonara Shadow-chan. Là ça a l'air réel hein. On dirait pas que c'est une illusion. Comment ça? Quoi? Fur? Maria. Maria-chan. Quoi? Shadow-kun. Ohayou gozaimasu. Merci Shadow. Geraludo-kun. Non, Geraludo-sensei. Senpai. Mais quoi? Mais pourquoi ils sont là? Mais c'est logique. Bah voilà. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Je peux peut-être changer leur destin. Ça m'étonnerait. Shadow, tu es tout pâle. Shadow, tu es tout pâle. Comment ça, tu es tout pâle? Il est aussi noir que d'habitude. Shadow, tu es tout pâle. Ah bon? Est-ce que tu vois la couleur de sa peau sous ses poils? Elle a l'œil perçant. Elle arrive à voir le teint de sa peau à travers ses poils. Et bah dis donc, c'est bien de plus en plus gênant. C'est Maria qui a commencé hein. Shadow, depuis quand es-tu devenu si fort et si confiant? Je sais pas Maria-chan. C'est pour toi. Je me suis dépassé en mode shonen. En fait ce qui est cool c'est que ça nous indique un... En fait ça nous indique des niveaux. J'imagine que ça nous indique le suivant, non? Ou peut-être le plus proche, hein. Mais le plus proche qu'on n'a pas encore fait, je pense. Oula, je peux monter là? I? C'est le level qui est pas là, en vrai, j'ai l'impression. Le level? Genre ça? Attendez, mais non, mais je pense que j'aurais besoin d'un nouveau pouvoir, là, pour y aller. Ouais. À mon avis, je vais devoir avoir le pouvoir de climb les walls. Mais où est-ce que je pourrais récupérer un truc pareil? Et toi, Gérald, tu dis quoi? J'en déduis que nous sommes dans une sorte d'anomalie temporelle. C'est pourquoi j'ai préféré éviter d'interagir avec quiconque afin d'empêcher le déclenchement d'un paradoxe. Pourtant tu viens d'interagir avec nous. Non mais par contre il est pas un peu choqué que Shadow il soit sorti? Mais par contre il y avait un truc que j'ai vu qui avait l'air étrange. Je monte mais j'ai... En fait ça sert un peu à rien de monter. Souvent tu trouves que des trucs optionnels. Hein? Hein? Ça faut le pouvoir de suivre les rings mais je l'ai pas. Merde. Non mais de toute façon... Ouais en fait il y a un problème avec ça. Je vois pas trop où je dois aller. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui vole partout là? En plus ça disparaît quand je m'approche. Ah non? Ah mais c'est encore un truc de rings. Va bien te faire voir. Ah mais attendez, je suis pas obligé d'aller dans le niveau que ça m'a montré tout de même. Ah bah ouais, on est revenu au début. Bah si, je suis un peu obligé, hein. Il doit y avoir une solution pour y aller. Parce que ça m'indique même pas sur la map. Genre, s'il y a un nouveau pouvoir. Ça c'était le deuxième monde? Ouais, c'était le deuxième monde. Moi les gens on est bloqués, on va arrêter là. Hein. Oh Big! Bonjour. Ils se connaissent pas? Je m'appelle Shadow, n'est-ce pas? Aurais-tu vu mon ami Froggy?
Froggy, c'est qui? C'est qui Froggy? On l'avait fait Kingdom Valley? Ouais, on l'avait fait. J'ai essayé de monter au plus haut et de là-haut, il y aura peut-être un passage, j'en sais rien. That's weird. Ouais, mais non. Ça se voit que c'est pour avoir un secret. Quoique... Il y a un rail, mais on pouvait pas y aller. Là, il y a l'air d'avoir littéralement aucun accès. Ah, si, 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 si. Il y a moyen. Hein. Vas-y. Ok, c'est bon. Et on est d'accord que ça va me faire monter. C'est quoi cette maniabilité du démon là? Voilà, c'est bon. Je peux avoir une caméra qui va un peu plus loin parce que... Ah! Bon, ça m'amuse moyen là. Parce qu'en fait... Ok, c'est bon. C'est pour un secret? J'en avais bien peur. Comment y aller? Ah bah attendez, mais si c'est bon, j'avais pas vu ça. Vas-y. Ah bah non, comment ça t'en as loupé un? Mais c'est pas vidé Shadow. Hein? Ok, si tu veux. À qui est ce manoir? Et à quoi ça peut bien servir de récupérer des rings ici? Est-ce qu'il y a une boutique comme dans Sonic Generations? Elle servait à rien la boutique. Je m'en suis pas servi de tout le jeu. Il y en a un autre là-bas. Je pense. Ouais. Hors de mon chemin. Ok. J'ai cru que j'allais encore tomber dans le vide. Ah oui. Vas-y Shadow. Mais pourquoi Shadow il peut se TP que sur des gens? D'accord. Genre sinon il a pas le droit, il peut pas se TP où il veut. Oula 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 là. Oui c'est bon. Ah mais c'est un nouveau boss. Mais j'ai pas fait les niveaux qu'il fallait si. Ah bah. Non mais attendez, ça veut dire qu'il va falloir que je remonte tout ça après? Non mais il me faut un pouvoir hein. Mais après il y avait une médaille là, ça va peut-être me donner un pouvoir. Terminer les défis d'un acte pour obtenir la clé. Ouais mais c'est pas ça le souci. Non peut-être le pouvoir je l'aurai après, mais attendez, mais donc une fois que j'aurai récupéré les clés, je vais vraiment devoir remonter tout ce truc de merde. Y'a pas un bouton pour Oula. Eh ben on dirait bien. Vous êtes content parce que moi pas vraiment. Vas-y, je vais commencer par aller là-bas. Oh oh. Yes. Non non non. C'est qui là? Attendez, mais j'ai pas compris parce que là ça m'a ramené aux missions du début. Ah mais attendez. En fait, il faut juste que t'aies 3 clés. Et tes clés tu peux les avoir sur les challenges que tu veux, d'après ce que je comprends. Ah. Ouais, c'est pas exactement comme Sonic Generation, d'accord. Bon. Vas-y, qu'est-ce que tu me demandes? Jamais fait ça. Maîtrise du Chaos Control. Ah bah si, on a déjà eu. On avait fait le niveau 2 et là c'est niveau 1. Oh bah. Ça ressemblait vraiment comme le combat... Comme le combat de rival de Shadow là. Bah d'ailleurs oui, parce que c'est sous cette map en fait. Okay. D'accord, voilà la puissance ultime. Bon, ça c'est facile hein, suffit de courir. Faut juste que je réussisse ouais, à récupérer du Chaos Control. Arrête-toi. Et le jeu m'en redonne quasiment immédiatement, donc merci.
Après, j'ai réussi le niveau 2, donc là, le niveau 1, on devrait y arriver, là. Voilà la puissance ultime. Oui, 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 oui. En moins de 25 secondes. C'est vrai que j'aimais pas Sonic, hein, parce que j'avais joué qu'à des jeux Sonic de merde. Depuis que j'ai joué à Generations, genre, je découvre qu'il y a quand même 2 ou 3 bons jeux Sonic. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai même pas vu. Les rings? Non, les ennemis? Hein? Et... vas-y. Ah ouais, d'accord, ok, c'est bien les ennemis. Super. C'était un peu fort le son là, non? C'est pas de ma faute. Quoi, mais pourquoi il les a pas tous tués? Je comprends pas. Normalement, c'est ça, c'est ça que t'es censé faire. Parce que là, si ça continue comme ça, je vais arriver à la fin, je les aurais pas. J'aurais pas eu les 50. Ah, parce que je vise! Ah, mais je le savais pas! Parce que, comme sur le hub, c'était à chaque fois guidé. D'accord, ok. C'est bon, je les ai eus, mais. Ok, ouf. J'étais à 49 centièmes durant S. Tant pis. Mais si, de toute façon, les meilleurs jeux Sonic, c'est Mario Sonic aux Jeux Olympiques. Non, je rigole, ça c'est quand même mieux que Mario Sonic aux Jeux Olympiques, hein, tout de même. Et Shadow, c'était bien. Genre, en vrai, même s'il y a pas Sonic dedans, enfin, il y est, mais vous m'avez compris, genre, c'est quand même un jeu Sonic, quoi. Alors, allons là-bas. Attendez, il y a une clé toute... Ah, mais les clés, elles sont en haut. Ah bah, c'est bien qu'ils kiffent. Moi, je kiffe pas, hein. Je vais leur niquer leur mère. Ah, mais j'étais pas allé là, je crois. Ah voilà, j'ai accès à des challenges. Je pense que je vais faire les autres aussi, qui sont en l'air. Comme ça j'aurai une clé d'avance. Un ring ou rien. Mon anal. Il faut protéger l'anal de Shadow. À tout prix. Allez, voici le précieux anal de Shadow. Ne touchez pas à l'anal de Shadow, les gens. Eh, j'ai pas le contrôle. D'accord. Yes. Ok, c'est bon. J'aime réussir à récupérer la médaille. C'est qui le boss? Celui qui prend les risques. Les risques inouïs pour récupérer des médailles dont il en a strictement rien à carrer. Non, ouais. Je récupère pas le dernier, hein. Je referai le niveau s'il faut un jour, mais. De toute façon, c'est vraiment pas le genre de jeu que je terminerai à 100%. Ah merde, dommage. Ah mais la fin elle est au-dessus. Oh, je suis trop nul. Donc je remonte comment moi? Ah ça, je peux pas. Attendez, c'est tellement pas prévu que tu fasses des dingueries pareilles que genre y a pas de solution. Non mais attendez, c'est une blague. Bad level design. Mais tant pis, je recommence. Je crois que ça sauvegarde pas les trucs que j'ai eu, par contre, serait trop pété. Hein. On avait protégé l'anal de Shadow, mais malheureusement, son anal s'est retrouvé perdu. Mon anal! Ok. Ça. Je crois que j'ai de l'avance. Je crois que j'ai un cycle d'avance par rapport à d'habitude. Kirbendo, tu n'as ni besoin d'être rang S, ni besoin d'avoir toutes les médailles. Donc, c'est bon, calme-toi. Ça, c'était un peu évident, par contre. Vas-y. Je le prends quand même. Non! J'arrête. J'arrête tout. Je ne prends plus ces médailles de merde qui permettent de débloquer quoi déjà? Des dessins? Genre on est sur Peppa Pig ou quoi pour avoir des coloriages? Bon. Shadow n'a plus de... On va y arriver un jour. Ce n'est que la mission numéro 2. Avec un ring ou rien. Il y en a sûrement 3 ou 4.
Donc, on se concentre. Tu vas y arriver. Succession de fails. C'est parce qu'en fait, il va trop vite. Et il peut pas voler. Il pourrait pas prendre exemple sur Tails. What? Ok, la caméra m'aidait pas beaucoup là. Bon, vu que je n'ai plus de rings, faut y aller doucement. Ça se passe de commentaires, ce genre de conneries. Comment ça se fait que la première fois j'ai failli arriver à la fin? Et arriver à la fin, genre, parce que le niveau est mal fait, j'ai dû recommencer. Et là maintenant j'arrive plus à aller à la fin. Bon. Je suis vraiment en mode très lent hein. C'est Shadow avec les slow shoes. Non. Pas cette fois. Aussi tu récupères même pas de turbo sur ce niveau vu qu'il n'y a pas de ring. Imaginez j'arrive quand même en rang A. Ce serait une dinguerie hein. Mais c'est possible. Ah bah voilà si tu veux. On le rend assez loin quand même. Mais attendez mais what? Ah oui ok. Alors le jeu t'oblige à passer en haut hein. Quand même le rang A. Félicitations, nous avons protégé l'anal de Shadow. Demandons à Adama de faire le jeu, il nous fera plus de skills. Ah il y avait une fontaine pour remonter. Ah j'avais pas vu. Ok donc là normalement on a. Ah non maintenant il y a encore un défi. Comme j'ai dit je ferai les autres défis. Comme ça ce sera fait d'avance. Mais s'il y a autant de niveaux que sur Sonic Generation, on a déjà dépassé la moitié hein. Parce qu'il y avait 6 niveaux sur Generation. Là on a fait 4. A voir. Qu'est-ce que je dois faire là? Juste arriver dans les temps? On dirait. Mais s'il y a des petits ascenseurs de merde, bah genre le dans les temps ça va pas dépendre de moi en fait. Je me suis pas fait toucher. Comment ça je me suis pas fait toucher? Je me suis carrément fait toucher, qu'est-ce que... Bon c'est pas grave, si le jeu dit que je suis fort, qu'il continue de le dire. Ah j'aime pas ça. Voilà. C'est la sec X. J'avais oublié. Ok let's go. C'est quoi ça? Mais ça fait quoi? Ça fait peut-être apparaître du chemin mais enfin faut se grouiller là. On est aux pièces. Ok. Ça y'a vraiment pas moyen d'accélérer. T'es obligé d'attendre 3 plombes. Et la première fois que j'avais fait une masterclass. Yes. Oh non bah j'étais dessus. J'ai trop hâte aussi pour Sonic 3 le film. Ah. Ah j'avais pas ça. Ah oh, ok d'accord. Bon ça veut dire que le niveau n'est pas loin d'être terminé en vrai. Bon mais attendez, ah bah oui la fin elle est juste là. Ah d'accord. Ah non mais ouais il fallait effectivement attendre. Et un niveau qu'on va avoir terminé à 100%. Tous les collectibles et le rang S. Attendez, attendez, c'est qui le boss à Shadow Generation? Oh, oh. Mon premier rang S. Ça mérite des applaudissements et des pouces vers le haut là. Hihihi. Ça c'était du talent. Je pense que j'ai fait le record du monde. Rien que ça. Ok la clé. Et donc comme j'ai dit. Ah mais il y en a deux autres là-bas des challenges. Pourquoi il y en a autant? Mais comment on fait pour s'accrocher aux rings? Comme je dis je veux juste pas avoir le pouvoir hein. Ah mais ça m'a l'impression qu'il en faut trois des clés c'est vrai. J'en ai deux là.
Donc, attendez, je vais aller faire les deux, enfin les quatre challenges là-bas. Comment on monte? Comme ça, simplement. Et ah non, c'est bon. Et il va être où l'autre challenge? Là-haut? Je sais pas, vas-y. C'est quoi ça? C'est battre des ennemis, détruire les Egg Runner et franchir la ligne d'arrivée dans les temps. Ok. Et ça va, mon gameplay, il est moins crisant que d'habitude? Enfin, que sur Sonic Generation? Bref. Ça, les Egg Runner? Ah, il y en avait peut-être plus en haut en vrai, hein. Merde. J'en ai combien? 30 à battre, bah, c'est bon. Ouais, non, mais ces niveaux sont quand même vraiment simples. Je m'en fous. Je suis obligé de le tuer. Ouais, ça me fait même pas vraiment gagner de temps. Vite, 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 vite. Ah non, mais c'était pas mon premier rang S en fait. Je sais pas pourquoi j'ai hurlé. Parce que sur les challenges, j'ai eu plein de rangs S. Non, c'est sur les niveaux que j'ai eu aucun rang S. Depuis le début, en fait, je comprends pas parce que sur Sonic Generations, quand tu finissais en rang A, et en fait, si tu terminais un niveau sans mourir, ça t'augmentait ton rang de 1. Ce qui fait que si t'étais rang B et que t'étais pas mort, tu passais en rang A. Et là, en fait, genre, ça a pas l'air de faire la même chose parce que j'ai été plusieurs fois en rang A et ça m'a pas augmenté mon rang. Où est l'autre porte, là? Là-bas? Ah non, l'autre défilé en bas. Oula, oula, oula. Mais il y a un truc là, non? Ouais, des trucs crisants. Qu'est-ce que c'est? Ah, un boulon! Je me demande à quoi ça sert en vrai. Ça doit être pour un niveau secret, un truc du genre. Oh! Tout ça pour une musique, et là vous allez me dire qu'en plus je vais devoir remonter. Sonic Heroes. Ah non, je passais par là, ok. Bon alors, l'autre porte, j'ai vu, 40 mètres. Vas-y. Mais non, c'est la clé que je ne peux pas ramasser. Bah ouais. Mais c'est ça? Mais je l'ai fait ça. Ah non, je l'ai pas fait. Ok. Oh non, oh non. Ok, je vois le délire. Oula. Hein? Et les trucs après, ouais, ils se remettent en place, d'accord. J'aurais dû faire le Chaos Control. Ah bah, je pouvais pas. De toute façon. Hein? C'est quoi ce truc qui a attendu 3 plombes? Yes. Ça, j'ai un peu de mal à comprendre le système, genre... Ouais, ça marche. Oh, 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 attendez. Non, c'est bon. Je suis même pas obligé d'attendre le truc là, je peux monter comme ça. On dirait limite on est sur un Mario vu les plateformes. Ah merde! Tant pis. What? Bon, d'accord. Je pense que j'étais à 2 secondes de louper le... Ouais, non, j'étais à moins de 2 secondes de louper le rang S. Il est déjà 17h. Ça fait 2 heures qu'on a commencé le jeu. Je vois vraiment pas le temps passer, là, je suis à fond dedans. C'est vraiment trop trop cool. C'est vrai qu'on a pas vu Sonic depuis le début. Mais ouais, je pense qu'on le verra. Mais... Bah de toute façon, on est censé le voir, puisque dans Sonic Generation, Sonic et Shadow se rencontrent. Genre, il se rend compte au moment de... Enfin, genre du rival... Attends, c'est une blague? C'était quoi ça? Ah là là là, ça c'était bien fait, hein. Pas du tout. Eh bien voilà les amis, cette vidéo est terminée. N'oublie pas de liker, commenter, partager, t'abonner. Avant de partir, n'oublie pas non plus d'aller sur la chaîne Kerman Deluxe pour voir la compilation de mes lives où j'ai joué à Sonic Generations, mais avec Mario 64. C'était très dur. C'était très drôle, mais vas-y, va jeter un oeil, c'est sur la chaîne Kerman Deluxe, et on se retrouve là-bas. Salut!
Yes, the warrior that will destroy you.